Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir, chers auditeurs, bonsoir, chères auditrices. Bonsoir à tous les élèves de la classe au niveau mondial. Bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent et tous ceux qui partagent notre idéologie. Je vous dis bonsoir et bienvenue sur la tribune du festin intellectuel, celle-là même que nous appelons la classe éclaireur pro-vérité. Et nous sommes aujourd'hui le 10 mars 2022 et nous sommes encore bel et bien sur la terre des hommes. Et nous sommes encore parmi les vivants. Et comme disait Victor Hugo, ceux qui luttent sont ceux qui vivent. Et ceux qui ne luttent pas ne méritent même pas de vivre. Et c'est dans cette même lancée et dans cette même optique que nous allons aborder aujourd'hui la voix du militant. Cette tribune qui permet à chaque militant de venir dire honnêtement, sincèrement, avec honnêteté ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il a vécu et on cherche des solutions. C'est à cet effet qu'en tant que militant, mais aussi en tant que citoyen lambda, depuis le lundi passé, on a eu à faire une enquête sur le service des impôts de la Riviera 2 après barrage. Et depuis pratiquement 2 semaines, comme dans plusieurs centres d'impôts, on a constaté qu'il n'y avait pas de connexion, puisque leur connexion est différente des connexions usuelles ou ordinaires que les uns et les autres utilisent. Pour un service de l'État, pour ceux qui suivent nos émissions, vous savez ce qui s'est passé le lundi, le mardi et aujourd'hui. Je suis avec beaucoup de joie devant vous pour vous dire que le problème il a été résolu. Et le problème a été résolu comment? Grâce vraiment à nos interpellations et grâce à nos actions et grâce aux coups de fil qui ont été émis, il faut dire merci à Mme Thiam de la Direction générale des impôts. Il faut dire merci à M. Kofi John et merci à Mme Sarr et toute son équipe. Parce que de façon très diligente, de façon très, très, très ponctuelle et très professionnelle, l'information est partie profondément là où on n'espérait même pas. Et je vous jure que depuis hier soir, environ 17 heures, en moins de 24 heures, cette affaire qui durait depuis 2 semaines, solution a été trouvée hier soir même. Et donc, tous ceux qui ont payé les impôts depuis 2 semaines en Côte d'Ivoire et tous ceux qui n'arrivaient pas à payer leurs impôts en ligne peuvent confirmer aujourd'hui que c'est chose faite. Et avec preuve à l'appui, je puis vous dire que tout le monde peut rentrer dans ses droits comme il se doit. Et c'est avec satisfaction que ce soir même, l'équipe EPV, vous comprenez de quoi il s'agit, a été reçue par le service des impôts de la Riviera 2. Et la chef de centre, qui s'appelle Mme Sarr, a reçu l'équipe EPV avec M. Kofi Johnson, ainsi que les différentes directrices. Et nous avons eu une réunion très cordiale. Mais au-delà même de cela, à la suite des coups d'affaires que j'ai eu à émettre, nous avons reçu ce que nous espérions. Les gens ont reconnu le mal que cela posait aux contribuables. Et ils ont reconnu aussi le fait qu'une telle attitude de ne pas pouvoir satisfaire le client pourrait donner une mauvaise image même de la Côte d'Ivoire et décourager les investisseurs non seulement à investir, mais à payer aussi les impôts. Parce qu'en réalité, personne n'aime payer les impôts. Mais une fois que vous vous déplacez, vous prenez de votre temps, vous prenez l'argent pour payer les impôts et que vous avez des désagréments, cela peut justifier votre découragement de ne pas payer les impôts. Et donc, j'ai dit à tous les citoyens, si nous n'avions pas parlé, ce problème n'aurait pas été résolu. C'est ce qu'ils ont dit. Moi, je suis à New York, mais quand il y a eu la réunion, j'étais aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être physiquement présent dans le monde, tout se passe. Et la réunion s'est passée entre 13h38 et 14h25 à Abidjan. Et donc, j'étais là virtuellement avec l'équipe EPV et chacun a pu donner ses avis. Et ils ont tenu à nous remercier. La démarche que nous avons eu adaptée, parce que notre démarche, elle était claire, elle n'était pas de s'attaquer à des personnes individuelles, mais elle était notre méthode de s'attaquer à une manière qui n'est pas bonne dans notre administration et à la corriger. Et malheureusement, sinon heureusement, il fallait donc faire
des victimes. Et certaines personnes ont peut-être été, ont passé là-dedans, mais toujours est-il que quand c'est expliqué, nous demeurons des humains sur la terre, on leur a bien expliqué que si c'était à refaire même 10 fois, on referait la même chose sans état d'âme. Je dis bien sans état d'âme. Mais à la fin de la journée, une fois que les problèmes sont réglés, l'aspect humain vient à prédominer. Et même du fait que nous ne soyons pas dans le faux, on a tenu aussi à présenter nos excuses au cas où on aurait blessé certaines personnes. C'est vrai, ce qu'on a fait est juste, ce qu'on a fait est normal. Mais on peut blesser aussi des sentiments humains. Et nous avons présenté nos excuses pour ces sentiments humains-là, sans toutefois aucunement regretter l'action que nous avons posée. Et comme je l'ai dit moi-même devant tout le monde, si c'était à refaire, on la referait plusieurs fois. Et donc, je tiens à remercier tous les EPV d'Abidjan. Je dis bien tous les EPV d'Abidjan. Quand on dit EPV, ça veut dire élève, éclaireur, pro, vérité. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et tout le monde, moi-même y compris, nous sommes tous des EPV. Et donc, je vous dis merci parce que vous avez donné de votre temps, de votre courage, de votre détermination pour corriger une situation qui mettait en mal le fonctionnement même de l'administration des impôts depuis 2 semaines. Et je tiens en toute sincérité à vous féliciter pour cela et à vous dire merci et extrêmement merci pour tout ce que vous faites tous les jours. Et donc, nous allons continuer avec les sujets du jour, mais bien avant les sujets du jour, puisque c'est la voix du militant, ce sont les militants qui ont aujourd'hui le droit à la parole. Mais après ce premier sujet que j'ai présenté brièvement, je tenais donc à féliciter le président Alassane Ouattara, parce que j'ai aussi vu la détermination et surtout l'abnégation et la bonne foi de ces agents des impôts qui ont pu réunir les EPV, discuter avec vous et essayer de mettre les choses au point. Si moi, je reste à New York pour faire ça, toi qui es à Abidjan là-bas, là, tu ne peux rien faire aussi. Le président Ouattara, ce qu'il a dit là, ce n'est pas seulement au ministre. Hein. Nous, on est dedans aussi. Nous-mêmes, là, nos problèmes, là, on doit s'approcher de la réalité aussi. Tu vois quelque chose qui n'est pas bon là. EPV est là, éclairer pro vérité est là, lui n'a pas encore besoin d'argent. Tu viens lui en parler avec les preuves à l'appui. On va traiter le problème selon la vérité et restituer la vérité et mettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, là, grâce au président Ouattara, on n'est plus besoin de dire, comme nous on n'est rien, Ouattara nous a donné notre dignité. Ouattara nous a montré que lui, son pouvoir, là, on peut critiquer et obtenir des résultats. Regardez comment, avec l'enquête et les actions qu'on a menées, et regardez, en moins de 48 heures, ce qu'on vient de faire. Et donc, de quoi nous parle-t-on? Tous ceux qui ne peuvent pas agir pour faire un bien dans leur société, vous vous taisez et vous laissez les gens qui ont de la volonté et des gens qui peuvent le faire. C'est important. Et ça, il fallait le dire. Mais surtout, il faut remercier le président, son Excellence Alassane Ouattara. C'était vraiment très important. Et le deuxième sujet que j'aimerais aborder avant de laisser la parole aux militants, comme je l'ai dit, c'est la voix du militant. Tous ceux qui veulent appeler, après, on peut parler de tout et de rien, mais dans la vérité et dans le respect. Le deuxième sujet que j'aimerais aborder concerne la task force de la honte. Vous vous souvenez de cette task force qui avait été créée pour dénigrer certaines personnes et pour faire de certaines victimes et de certaines pour faire de certaines personnes la victime, sinon les incitateurs ou les instigateurs de certains problèmes, alors qu'il n'en était rien, nous avions tenu à restituer la vérité. Parce qu'il est très important, le devoir de mémoire veut que nous situions les responsabilités. Quand tu poses un problème, il faut être capable d'en assumer les conséquences. Et donc, cette task force qui avait été spécialement créée pour essayer de créer la diversion, pour essayer de défendre quelques personnes, nous leur avons donné la réplique qu'il fallait. Et nous leur avons dit qu'ils avaient tout le temps de réagir pour casser ce que nous avons dit. Et comme je l'ai dit, nous sommes vivants sur la terre des hommes. Et celui qui défend la vérité sera certes un individu détesté. Mais sachez que moi, éclaireur pro-vérité, je suis prêt à être détesté. Mais au moins, j'aurai une chose, je n'aurai jamais la tête baissée.
je ne serai jamais un indigne. C'est aussi de ça qu'il est question. Et donc, quand on est des hommes dignes, quand on est des hommes fiables avec un peu de fierté, on fait attention à ce qu'on dit et on fait attention à nos actions parce que ça nous rattrape. Des grands garçons qui ont femmes et enfants, qui se font honnir par une seule personne. Vous êtes une task force payée et vous avez échoué dans votre méthode. Et donc, vous aviez pensé que c'était fini. Puisque je vous ai dit d'envoyer les preuves, vous ne voulez pas envoyer les preuves. Et ça, vous pensez que c'est fini. Ce n'est pas encore fini. Hein? Ça va finir quand moi, je vais décider que ça finit. Vous partez créer task force pour défendre des individus. Mais vous ne défendez jamais le président Ouattara. Moi, là, je suis venu pour défendre Ouattara. Et donc, moi, je dis, le combat que vous avez ouvert, là, moi, c'est moi, je vais, c'est vous qui avez ouvert. Mais c'est moi, je vais non seulement restituer la vérité, mais je vais faire ce combat-là jusqu'à ce que moi-même, je dise, frère, c'est bon, il faut arrêter. Je vous avais dit, celui qui s'attaque à éclaireur pro-vérité peut commencer le combat, mais il n'aura pas le luxe de siffler la fin du combat. Parce que n'importe quel moment, je serai prêt à donner la réplique. Et comme nous avons parlé à ces personnes indignes, et je leur dis ces mots-là, mais ils n'ont pas la dignité de se présenter, alors que nous vous connaissons, ce que vous avez pris, on connaît. Le jour où vous êtes allé au bureau à New York, là-bas, prendre de l'argent, on vous connaît. Dès que vous êtes sorti, on m'a appelé pour dire que vous étiez là-bas. C'est de ça aussi qu'il est question. Et donc, je vous dis aujourd'hui, si vous êtes digne comme moi, éclaireur pro-vérité, qui parle et qui lance des défis, et que vous, les indignes, vous ne pouvez pas relever, je vous dis encore, je vais venir donner encore plus de preuves. Ce que vous voulez cacher là, je vais donner encore plus de preuves. Je vous ai dit, avant Saïd Penda, c'est moi, j'ai soulevé ce problème-là. Et je connais les tenants et les aboutissants. Et je vais encore aujourd'hui, ce que vous voulez cacher là, je vais encore donner plus de preuves. Si vous êtes garçon, venez parler. Et je sais qu'il n'y aura pas de garçon parmi vous. Parce que celui qui est en face de vous, éclaireur pour la vérité, lui seul, là, il représente au moins 100 garçons. C'est aussi simple que ça. Mais qu'est-ce qui me permet d'être dans cette posture? C'est ma capacité d'être digne, ma capacité de dire la vérité, ma capacité de rester moi-même. Je n'ai jamais émargé chez quelqu'un. Et comme je le dis, je ne me mets qu'à la solde du président Ouattara. Je suis ambassadeur, je suis consul, je suis ministre, je suis ceci, directeur général. Si Ouattara n'avait pas été président, tu ne serais rien. C'est d'abord là qu'il faut commencer. Et donc, au lieu de faire la promotion de ce que vous êtes aujourd'hui, faites la promotion de celui qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pourquoi j'ai toujours été contre les pro-X et les pro-Y, parce que c'est malsain que notre chef, le leader incontesté, le Cyrus, soit là et il est en train de faire des miracles chaque jour et vous venez dans les petits calculs pour diviser les militants, pour essayer de créer la diversion à cause de vos propres égos et de vos propres ambitions individuelles. Ce parti RDR, RHDP, là, on se connaît dedans. En 2008, là, ceux qui voulaient trahir là, pour retourner au PDC, là, on le connaît. En 2008, je vais vous donner des détails aujourd'hui. En 2008, là, ceux qui étaient prêts, il y avait un groupe qui était prêt à trahir. Il y a un premier groupe où ils ont trahi. La deuxième vague qui devait trahir, là, on vous connaît très bien. Parce que vous, c'est vos intérêts personnels et les intérêts de vos familles qui vous intéressent. Et donc, même au sein de New York, disons-nous la vérité. Même la première élection du premier président, Fatouré, vous l'avez trahi quelque temps après. Vous pensez qu'on ne sait pas tout ça? Moi, c'est des gens que je ne connais pas et ça ne m'intéresse même pas. Mais ce qui est la vérité, là, moi, je le dis. Fatouré avait été élu proprement. Mais quelques jours après, vous avez fait dans du dilatoire pour contester. Et vous n'avez fait que diviser les militants depuis lors, jusqu'à en arriver à vos fins. Mais malheur pour vous, Dieu va mettre quelqu'un qui s'appelle éclaireur pro-vérité pour faire sortir progressivement tout ce que vous êtes. Ce dont je parle à vous, vous connaissez. Et donc, je le dis clairement, mais je parle pour que vous sortez pour venir dire c'est faux. Ou bien même par insinuation, si vous êtes garçon, faites des insinuations pour dire que quelqu'un a dit ça. Faites insinuation et vous allez comprendre. Et donc, je vais sortir encore certains dossiers sur cette histoire-là. Je parle de l'ambassadeur, et pardon, du consul non officiel, Enza Camara.
Je parle de Monsieur Enza Camara. Moi, je ne suis pas dans les sentiments. Je préfère être dans la vérité, être détesté, mais je vais dire ce que je pense. Parce qu'il y a un grand problème. C'est nous, on est ici à New York. C'est nous, on connaît notre situation. Monsieur Enza Camara, quel est l'état de la situation de votre exéquature? Chers tous, vous allez nous excuser. L'exéquature, là, c'est la procédure pour pouvoir être accrédité. Si vous voulez, c'est l'autorisation donnée à un agent d'une puissance étrangère pour exercer ses fonctions dans le pays où il est envoyé. Ça, c'est simple, tout le monde comprend. Pour que quelqu'un puisse servir un poste diplomatique ou même un poste dans une puissance étrangère, c'est ce qu'on appelle l'exéquature. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Parce que écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Parce que nous qui sommes ici, qui sommes éclairés, nous avons le devoir moral d'informer nos populations. Là, le jour qu'il y a un manquement ou bien il y a une faille, plus personne n'est étonné. Quel est l'état de l'exéquature? Vos chiens de guerre sans queue et sans connaissance des bandes d'idiots que vous avez mis là pour vous défendre ne peuvent même pas le faire. Vous payez une task force qui est incapable de vous aider alors que moi seul, je viens déconstruire tout ça. Et donc, vous ne pourrez pas nous parler de l'état de l'exéquature parce que vous savez très bien que l'agent de liaison, et ce que je dis là, je sais de quoi je parle. L'agent de liaison qu'on appelle desk agent, vous savez que ce n'est pas quelqu'un qu'on peut corrompre. Ce n'est pas quelqu'un qui est corruptible. Et malheureusement, vous vous êtes confronté à cette réalité. Mais chers parents, quand on nomme quelqu'un diplomate dans un pays étranger, là, l'exéquature, là, ça vient avec des avantages. Et dans ces avantages-là, il y a quoi dedans? C'est ça qui est important. Et c'est là que vous allez comprendre l'inquiétude de nous, les Ivoiriens, aujourd'hui. Si M. Enza Camara est officiellement reconnu par les États-Unis comme consul général des Ivoiriens à New York, qu'on nous produise l'exéquature, ou bien à défaut, si cela a été fait, qu'il ne peut pas montrer, qu'il nous présente au moins la carte diplomatique de M. Enza Camara. Et la carte diplomatique, là, ce n'est pas un secret. Mais il y a beaucoup, très peu de personnes ont vu, mais je vais vous donner une idée pour que vous ne soyez pas surpris. Carte diplomatique, là, quand vous voyez là, en haut, là, il y a un rectangle. La première partie, là, c'est rose. C'est rose. Et puis le reste, là, c'est comme blanc. Et puis on met tes informations dessus. Et puis il y a ton numéro, et puis ta photo. Et puis il y a tes informations biographiques là-dessus, avec tes informations physiques. Il n'y a pas de secret. Quand on t'accepte là, aux États-Unis là, comme je l'ai dit là, c'est sur une période de 30 jours. C'est sur une période de 30 jours qu'on t'accepte ou qu'on ne t'accepte pas. Mais aujourd'hui, nous sommes à combien? Presque 9 mois. Et après ça, quand on te donne l'exéquature là, après la carte diplomatique, qu'est-ce qui vient après? Hey, j'ai dit je connais. On t'envoie le detaxation card. Detaxation card. Ça, c'est quoi? Vous qui dites, non, on défend quelqu'un. On ne défend pas quelqu'un quand on est un ignorant. Sinon, vous devenez un ignorant ridicule. Après la carte diplomatique, là, il y a la carte taxation card. Ça vient avec des avantages. Toi qui as été reconnu, là, dit taxation card, là, on ne te charge pas d'impôts. Et donc, il y a une carte spéciale qu'on te donne. Et troisième avantage, le driver's license. Ton driver's license là, qui vient là, ça a la même couleur que la carte diplomatique qu'on te donne. Ça a la même couleur que le detaxation paper et card. Et ça a la même couleur que le driver's license. C'est-à-dire, la première bande là, elle est rose et le reste en blanc. Très peu de personnes ont vu ça. Quand je parle là, je connais. Moi, quand je suis allé aux États-Unis, là, je ne suis pas allé pour ressembler aux autres. Je connais la loi des États-Unis. Et je l'ai dit. Et je le répète aujourd'hui. Je suis l'un des Africains qui a fait partie des dizaines de personnes aux États-Unis sans leur prendre 5 francs. De quoi veut-on nous parler? Vous pensez qu'il faut 1000 ans pour connaître une loi? Il faut une volonté.
Moi qui vous parle là, j'ai aidé des dizaines de personnes à aller aux États-Unis sans leur prendre 5 francs. Ça, c'est un. Le nombre de personnes que j'aide à filer les taxes, on ne peut pas compter. Le nombre de personnes que j'aide aux États-Unis pour essayer de régler leur situation, on ne peut pas les compter. Vous pensez que je suis un individu ordinaire, un individu qui ne sait pas ce qu'il veut, un individu qui est là pour suivre les autres parce qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps? C'est une question de capacité et c'est une question de volonté. Souffrez que des gens comme moi aient la volonté d'aider leur communauté et d'aider les humains. Ça, c'est comme ça que Dieu nous a créés. Nous, là, on ne prend pas avec quelqu'un. Nous, là, on donne sans regarder en arrière. Parce que nous, on sait ce que Dieu nous réserve. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pourquoi je dis ici que mon jugement appartient à Dieu. Et je n'ai pas besoin que les gens me jugent. Je préfère que vous me détestiez. Mais je reste avec ma vérité. Et celle-là, je dis, quand vous ne voulez pas venir au front, moi, je vais aller vers vous. Et comme je vous l'ai dit là, quand je vais balancer ça là, je vais attendre encore. Si vous ne revenez pas là encore là, je vais venir encore casser des papots encore. Je vais venir casser des papots. Et donc, chers parents, mais il y a un autre avantage. Quand l'exequatur a accepté, mais il y a un autre avantage qui vient. Ce n'est pas seulement la carte de numéro consulaire diplomatique. Ce n'est pas seulement la carte de détaxation, ce n'est pas seulement la carte du driver's license qui est le permis. Ça vient avec un autre avantage qui est l'immunité diplomatique. Ça vient avec l'immunité diplomatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu es un diplomate reconnu dans un pays, même si tu cognes quelqu'un à une voiture, là, on s'en fout, on ne te juge pas. On ne te juge pas en fonction des lois du pays. Et dans ton pays, tout ce que ton pays peut faire là, c'est de te rappeler au pays. Imaginez-vous que Enza soit consul, mais il n'a pas l'accréditation. Son exequatur n'a pas été accepté. Qui nous dit que demain, il ne sera pas dans un problème et qui dit qu'il est éternellement à l'abri des problèmes? Le jour qu'il sera en porte-à-faux avec la loi et que la loi des États-Unis va le prendre, ça sera une honte pour le pays et ça sera une honte pour le président. Parce que la couverture diplomatique n'y est pas. Et pourquoi la couverture diplomatique n'existe pas? Parce que son exequatur n'a pas été validée. Disons la vérité. Et j'ai demandé la dernière fois de le prouver. Et je vous ai bien dit, le code alphanumérique là, même si vous falsifiez, moi je vais reconnaître. La seule personne sur les réseaux sociaux qui a dit que le visa de Sologuima avait été produit à partir de l'ambassade de la France et de la Belgique, c'était moi. Mais tout dernièrement, où le président Ouattara est parti au sommet de l'UA, c'est à qui il s'est adressé? À travers la diplomatie française, c'est aux Belges. Voilà. Donc quand on connaît là, on connaît. Et souffrez que nous l'en viennent pour éclairer nos parents. Nous, on n'a pas pris d'argent avec quelqu'un. Et donc nous, on n'aura pas honte de dire notre vérité. Parce qu'on a la conscience qui n'est pas mise sur le marché. Et donc, imaginez-vous aujourd'hui la situation des Ivoiriens. Il faut que Monsieur Enza peut avoir été nommé ambassadeur, ou même avec tous les titres qu'il faut, mais si le pays qui doit l'accepter n'a pas eu tous les documents, et c'est là que vous allez comprendre quelque chose. Je vais tout dire. Aux États-Unis, pour qu'on t'accepte là, dans toutes les ambassades, bon, je vais sauter quelques détails. Allez vous renseigner le desk agent, ou bien l'agent de liaison. Lui là. C'est très peu de personnes le connaissent. Lui là, ce n'est pas quelqu'un qui est corruptible là. Il préfère son boulot avant de faire plaisir à quelqu'un. Et donc, dans l'exequatur là, une fois que les documents sont transmis à l'agent de liaison là, il y a un certain nombre de questions là. Je ne vais pas donner le numéro, mais les questions là, on te demande quoi? On te demande dans les questions là. C'est quel type de visa tu as, et puis de mettre le numéro du visa. Voilà où il y a le problème. Voilà où il y a le problème. Et je suis au courant des détails. Mais l'agent en question, là, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut corrompre. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que ce que vous ne savez pas, là, aux États-Unis, là, il y a certains systèmes, là. Ce n'est pas les hommes qui font ça. Voilà. Il faut qu'on vous dise certaines vérités aujourd'hui pour enlever
pour enlever, comment je vais appeler, le voile qui était sur vos yeux et sur vos cerveaux et sur vos esprits. Là où je vous parle, même quand vous voyez un être humain là, après l'être humain là, lui ne peut que réceptionner le dossier. Il ne peut rien changer dedans. Et donc, de la manière ça vient là, c'est comme ça, ça rentre dans le système. Et c'est le système même qui fait le reste. Et donc, voilà la réalité qui est en face de chacun de vous. Et donc, ayons pitié du prado et corrigeons nos défauts à nous-mêmes. Dans la vie, un être humain ne peut pas tout avoir. Dans la vie, un être humain, là, il faut s'imposer des limites. Mais ce qui est encore le plus gênant, moi-même, mon souhait est que un jour, les Américains ne se rendent pas compte et disent que voilà quelqu'un qui a exercé un domaine dans lequel nous ne lui avons pas donné des accréditations. Quel problème ça va poser? Et aujourd'hui, ma posture n'est pas d'être contre M. Enza Camara ou d'être contre quelqu'un. Je suis en train de défendre la dignité du président Ouattara. Je suis en train de défendre la dignité du président Ouattara. N'humilions pas le président. Comme on le dit, chaque chose est mieux dans son contexte. La Côte d'Ivoire ne peut plus rien faire pour M. Enza Camara parce que le processus là, il faut que ça passe. Et quand un diplomate arrive aux États-Unis, même si, je dis bien même si, parce que la dernière fois, je vous avais dit 90 jours avant, si tout se passe bien et que les, comment on appelle, l'élégance a été respectée, 90 jours avant, celui qui doit partir, on l'informe. 90 jours aussi avant, celui qui doit venir, on l'informe. Tout se passe très bien. Mais, dans le pire des cas, s'il advenait que un diplomate est affecté dans un pays et que ses procédures n'avaient pas été respectées, dans le cas des États-Unis, là, quand tu arrives sur le sol des États-Unis, là, toi-même, là, délibérément, tu as 30 jours pour aller te déclarer. Je dis bien 30 jours, je n'ai pas dit un mois. Parce que dans la loi américaine, 30 jours et un mois sont deux choses complètement différentes. Et donc, tu as 30 jours pour te déclarer. Et donc, si M. Enza a fait les démarches pour obtenir l'exéquature depuis plus de 8 mois, qu'il nous donne la suite. C'est de ça qu'il est question. C'est nous notre représentant. On aimerait bien qu'il soit notre représentant, mais il faut que ce soit notre représentant qui remplisse toutes les conditions. C'est de ça qu'il est question. Et nous ne pouvons pas accepter, et nous n'accepterons pas que quelqu'un nous représente dans l'illégalité, selon moi, parce que ça fait trop de temps et ça fait couler trop d'encre. Monsieur Enza peut être ambassadeur reconnu en Côte d'Ivoire, mais est-ce qu'il respecte les lois et les démarches américaines? Et c'est là que réside le problème. Parce que l'agent de liaison a fait son travail. Mais est-ce que vous avez répondu aux deux questions? Numéro du visa et type du visa. Selon que ce soit un visa A1 ou A2. On laisse ces détails-là. Et donc, voilà tout le problème. Mais il y a encore une autre chose. Supposons même qu'il reste dans son contexte de consul, comme on ne sait pas ce qui est dedans là-bas. Mais avant cette fonction-là, demandez-vous bien quel était le rôle de M. Enza à l'ambassade. Il avait la direction financière, des affaires financières aussi, là-bas. Et aujourd'hui, qui est cumulé avec le poste de consulat général. Quand même. Même si on dit, vous là, vous êtes plus fort que tout le monde là. Ayez au moins la bonne conscience de savoir que il y a des gens aussi qui ont besoin aussi. Avant vous là, il y a des gens, ces postes-là existaient et on mettait une personne par poste. Et après vous, le monde va continuer. Arrêtons d'être méchants. Arrêtons cette méchanceté-là. Tu prends le salaire de consulat qui n'est même pas encore clair et qui est douteux, mais tu ne veux pas aussi laisser la direction des affaires financières. Et dans ce poste-là, il y a des vérités, j'ai dit, on va se les dire. Hein. Ce poste-là, normalement, M. Enza, moi, je vais vous le dire. Normalement, ce poste-là, tu devrais être à Washington pour le faire. Mais spécialement à cause de nos militants, on a détaché ce poste-là pour que tu puisses servir et pour que tu puisses galvaniser nos militants sur le terrain. Mais M. Enza, durant les élections de 2020, même les transports que tu avais promis aux gens, tu n'as pas donné. Tu as dit aux gens, et après, quand ils ont fini de voter, tu as disparu.
Moi, je ne suis pas là pour attaquer. Ce que je dis là, si ce que je dis est faux, vous qui êtes les militants RHDP ici à New York et aux États-Unis, sortez pour dire là, tu as menti. Même s'il y a un seul point qui est faux, vous dites là, tu as menti. La vérité là, vous voulez qu'on la dise, non? Vous voulez défendre des gens, non? On va commencer. Ça là, je vais vous éduquer. C'est le président qu'on doit défendre. Et le président, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Créer des task force pour défendre Ouattara contre les chiens qui sont en train de l'insulter sur les réseaux sociaux. Et vous allez voir que mon problème avec vous sera résolu. C'est Ouattara qui a fait de chacun de nous ce qu'on est. Moi, je n'ai jamais rien eu. Mais moi, je laisse mon sort à Dieu. Mais vous qui avez eu la chance d'être ou bien de prendre l'argent avec eux là, c'est l'argent de Ouattara que vous avez pris et vous ne voulez pas combattre et vous ne voulez pas travailler dans la vérité, mais vous cherchez à faire votre promotion au détriment de celui qui vous nourrit, de celui qui a fait de vous ce que vous êtes. Et vous voulez qu'on cache ça. Moi, je dis ça. Comme on le dit, je dis ça. Moi, je dis ça. Et donc, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste que M. Enza Camara occupe la direction des affaires financières ou économiques. En même temps, il est consul. Sinon, normalement, tu devrais être pour la direction des affaires là. Ça a été fait spécialement. Si on veut regarder dans les règles de l'art, ça ne devrait même pas exister à New York. Mais ça a été fait pourquoi? Parce que quand on te nomme à une mission, que tu ne demandes pas le pourquoi, tu vas toujours rater ton rendez-vous avec l'histoire. C'était pour que M. Enza Camara puisse galvaniser les militants, financer les militants, les encourager et ainsi de suite. Est-ce que ça a été fait? Mais la suite, on la connaît. On la connaît. Tout le monde sait que les gens du RDR, depuis la création en 1994, là, la première, tout le monde sait que les gens sont divisés là-bas. Et donc, il est difficile pour nous d'accepter la confusion et le flou. Même si on n'a rien là, on a pris avion pour venir aux États-Unis, le pays le plus puissant au monde. Et donc, nos esprits sont ouverts. Et ça là, nous, la vérité là, nous on l'a dit. Nous on va la dire à tout le monde. Donc, je vais m'arrêter là, aujourd'hui. Quand vous n'avez pas envie de vous battre là, vous commencez par là, et puis après vous dites vous ne voulez pas. Par là, on va faire jusqu'à ce que moi je dis c'est bon. C'est moi, je vais décider quand on arrête. Donc, ce que je vous ai dit aujourd'hui là, je vous ai dit je connais. Quand je dis je connais là, c'est un grand caractère. Donc, calmez-vous. Quittez dans les faux mensonges. Reconnaissez le faux dans lequel vous êtes. C'est ça qui va permettre à ce qu'on puisse vous laisser. Et vous pensez que vous faites silence, qu'on va oublier. Moi, je n'oublie pas. Hein? De la manière vous voulez qu'on oublie, là, c'est comme ça que je vais toujours rappeler. L'ambassadeur Enza, actuellement où il se trouve, là, il est dans l'illégalité. Et c'est une honte pour la Côte d'Ivoire et c'est une honte pour nous, les Ivoiriens de New York. Moi, je le dis aujourd'hui devant tout le monde. Et même si Enza même est devant moi, là, je lui dis ça. Je ne suis pas contre lui. Je n'ai rien contre lui. Mais je ne veux pas que ce qu'ils ont créé là. Sinon, on te demande un numéro de visa avec un qu'est-ce qui t'empêche de donner? Mais quand tu ne veux pas donner là, c'est que tu caches quelque chose ou mais tu ne veux pas qu'on découvre quelque chose. Mais ce quelque chose là, moi je connais, vous connaissez. Mais on vous attend. Mais sachez qu'aux États-Unis là, tous ceux qui ont pris l'argent, quand il y avait une chose, quand il y avait Corona là, tous ceux qui ont menti pour prendre l'argent des Américains là, vous étiez contents. Actuellement, ils sont en train de vous attacher un à un, non? Tous ceux qui ne travaillent pas vraiment, qui ont pris l'argent là, ils ont commencé à vous attacher. On vous demande maintenant, de telle période à telle période, tu dis que tu as travaillé là, on t'a donné l'argent, non? On dit, il faut venir prouver que tu travaillais ou que tu avais un business. Si ça c'est faux, mais c'est vrai là, venez me dire que c'est faux. Aux États-Unis là, rien ne reste caché et on ne saute aucun détail. Je n'ai pas dit quelque part, hein? Aux États-Unis là, tout est numérisé et tu ne peux pas sauter un détail. Et donc, ne soyez pas surpris qu'un jour, les États-Unis puissent poursuivre le consul général des Ivoiriens à New York pour pratique illégale, illégale d'une fonction dont il n'a pas rempli les conditions. Et ça, beaucoup de personnes, ça va les gêner ou vont penser, mais moi, je dis en tant qu'un Ivoirien qui paye ses impôts et qui est digne du président de la République, je dis qu'il faut qu'on mette fin à cette saignée-là en venant restituer les faits dans leur contexte. Si Enza n'est pas reconnu, comme c'est le cas actuellement aux États-Unis, que le gouvernement de la Côte d'Ivoire prenne ses responsabilités pour l'enlever. Pour l'enlever simplement et purement. Parce que le vieux a assez souffert. Je parle du président. Et la honte là.
même si le vieux n'ouvre pas sa bouche pour parler là, nous qui sommes ses enfants là, nous on doit être capable de faire le combat de notre vieux. Moi je le dis, moi je ne suis pas un enfant bâtard pour oublier mon père, pour aller faire le combat pour ce que mon père a nourri. C'est grâce à notre père Ouattara que certains sont ministres, que certains sont ce qu'ils sont aujourd'hui, pour ceux pour qui vous êtes en train de vous battre. Mais moi là, je n'ai rien. Et devant ma conscience et devant Dieu, je n'attends même pas mon salaire de qui que ce soit. Mais cette vérité, l'on va se la dire. Et comme je l'ai dit, soit Enza quitte la direction des affaires financières et il lutte pour son poste de consul et il règle le problème. Parce que lui seul ne peut pas avoir deux postes. Moralement même, c'est inacceptable. Et c'est injuste. Mais on veut nous faire accepter ça. Parce que même si il n'est pas acceptable, il va prendre illégalement le salaire de consul général. Après encore, il va aussi occuper la direction des affaires financières. Et ça, personne ne doit parler. Mais moi, là, moi, je parle. Moi, je parle. Et moi, je dis la vérité aux Ivoiriens. Et comme je l'ai dit, s'il y a un garçon là, sortez pour venir dire, c'est faux, mais c'est vrai. C'est de ça qu'il est question. Et donc, on va laisser ce problème en attendant que la task force de l'indignité sorte pour venir dire que c'est faux, c'est vrai. Ils ne pourront jamais, ils ne peuvent pas. Et eux-mêmes, ils savent, quand ils m'entendent là, ils savent que c'est un garçon qui a parlé. Vous êtes 10, vous avez pris l'argent du gars ou bien des gens, vous ne pouvez pas. Vous avez même tenté de corrompre des Dex Agents. Mais ça ne marche pas comme ça. Je vous ai dit, l'une des personnes qui connaît la solution là, c'est moi. Aïe. Quand quelqu'un a parlé comme ça là, il sait qu'il sait sur quoi il compte. Voilà. Et donc, mesdames et messieurs, il faut encore aller dire à la task force de l'indignité que éclairer sur leur dos. Et puis je vais faire rôder jusqu'à la fin pour que la vérité soit restituée, pour que la dignité du président lui revienne. C'est de ça qu'il est question. Et donc, nous allons passer au dernier sujet qui est une écriture de Madame Blanc et je me fais fort de lire cette écriture qui a pour titre « Ainsi va la vie sous les tropiques ». Mais avant de lire, il faut que je vous signale ceci. La dernière fois, lorsque je parlais de Bamba Alex, je me suis trompé et j'ai dit Bamba Cheikh Daniel. Et donc, à notre illustre aîné Bamba Cheikh Daniel, je présente toutes mes excuses parce que ce n'était pas de lui que nous parlions.